Stickers Week Mania contre Stickers AliExpress. Mais pourquoi acheter des stickers? Bon, vous avez compris que les figurines imprimées, c'est un peu cher. Donc 21 euros la figue, ça fait mal, hein. Aïe. Donc vous achetez un pack de stickers, vous prenez vos figurines Lego, hop, vous collez les stickers et vous avez des figurines bon marché à plus ou moins 5 euros. C'est mieux que 20 balles. Et encore, c'est pas le moins cher. C'est pas le plus cher, pardon, c'est un des moins chers. Bon, vous avez compris. Donc on va comparer les deux avec des comparaisons, c'est plutôt logique. Donc, quantité-prix. Bon, là c'est Brickmania, ça c'est des AliExpress. Hein. Quantité-prix, je vais être obligé de donner à AliExpress. Hein. Donc vous avez vos 6 stickers. Voilà, messieurs, les Américains, il y en a d'autres, hein, voilà. Vous avez, hop, petits stickers, je ne les ai pas encore tous collés pour que vous voyez comment ça se montre, avec des bandages. Mais vous avez aussi les corps qui sont fournis et les casques. Donc, niveau quantité-prix, un point pour AliExpress. Niveau qualité maintenant. Ah bah là, je donne tout de suite un point à Brickmania. Pourquoi? Parce que AliExpress, quand vous abaissez leurs bras, voilà ce que ça donne. Bon, bah ça défonce le stickers. Donc, voilà. Les deux en plus, je sais pas pourquoi ça ne m'a pas collé là. On va se calmer. Du coup, un point pour Brickmania. 3. Détail. Bon, c'est pour Brickmania aussi, hein. Parce que vraiment, avec des figurines magnifiques, c'est plus détaillé que ça, qui ne colle pas très bien et où ça fait pas toute la jambe le truc beige. Non, donc ça fait pour Brickmania directement. Plus là, la couleur, c'est pas le plus marquant. Celui-là, c'est pas le plus marquant. C'est avec lui que c'est le plus marquant. Il y a un problème sur la couleur, on a l'impression là. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais bon. Voilà. Tandis que là, c'est parfait. Le packaging. Donc, vous recevez ça chez Brickmania. Donc, vous avez ça, un petit truc sympa avec une petite carte. Je trouve ça super cool. De l'autre côté, vous recevez ça. Comme ça. Voilà. Merci. Merci, au revoir. Dans un beau sachet dégueulasse en plastique. Vert en plus. Je ne sais pas ce qu'ils auront passé par la tête. Le suivi. Bon, bah, le suivi, le point va directement à Brickmania. Enfin, je les ai pris chez Brickizimo. Mais on a une petite. Un petit mot de remerciement pour la commande. Oui, d'ailleurs, je vais vous faire un update avec une commande Brickizimo AliExpress que j'ai fait. Mais j'attends encore quelque chose qui n'arrive pas. Bon, donc, c'est quoi le meilleur? C'est Brickmania avec 4 points contre 1. Donc, quand vous prenez des stickers, je vous conseille d'aller sur Brickizimo et de prendre vos stickers. Voilà, donc la palette, c'est 9 euros. Donc là, c'est 10 italiens, du coup, ça va par rapport à ça. Ouche. Du coup, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Une prochaine vidéo, c'était vraiment chouette. Donc là, c'est quand j'abaisse le bras d'AliExpress.